Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel opening d'un cristal d'un héros 5 étoiles. On enchaîne, on enchaîne. Ah, c'est vrai qu'avec l'enchaînement des quêtes, c'est vrai que ça va très très vite. Et donc du coup, bah, voilà, je vous fais ça en vidéo dans la foulée. J'espère avoir du bon, comme d'habitude, l'espérance est toujours très très haut. Mais nous verrons bien, nous verrons bien. Je croise les doigts, je prie de tout cœur. J'ai pas de... Ouais, j'ai... Honnêtement, là, je suis vidé. je suis vidé. Je sais pas quoi demander, quoi choisir. J'ai pas trop d'idées en tête. Donc, je veux dire, Kabam, surprenez-moi. Surprenez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir Domino, ouais, Ultra Minarok, qui est très bien. Hein, Medusa que j'ai pas éveillé. Et ben Frost aussi. J'ai vu qu'il y a aussi... Il y a aussi... Suprême Symbiote. Ah, il y a du beau monde, hein! Il y a du beau monde, il y a du beau monde! Quelle daube vais-je récupérer? Et nous allons le savoir ensemble. Maintenant! Il va y avoir un nouveau ou n'importe quoi. Oh! Bon, c'est l'éveil de Spidey Stark qui est très bien. Très content. Mais le Omega Red! Le Omega Red! Oh là 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 là! Bon, l'éveil de Spidey Stark, c'est bien. C'est bien. Alors, en plus, surtout que j'ai hésité à mettre une gemme d'éveil sur lui. Parce que j'ai une veille de gemme tech. J'avais hésité il y a, allez, il y a un mois, même pas. Il y a 2-3 semaines, j'avais hésité à la mettre. Bah, finalement, bon, je l'ai pas mise. Puis voilà, je l'ai chopé. Bon, voilà, je l'ai éveillé. Au top. C'est un bon perso avec l'éveil qui est vraiment sympa. Il n'y a rien à dire. Un perso qui tape vraiment. Qui est vraiment très très bon. En plus, en synergie avec Blade. C'est top. Enfin, en gros, avec la synergie de la Trinité qui est vraiment magnifique. Donc là, parfait. Parfait. Plus qu'à monter R4. Et puis comme ça, j'aurai Ghost Rider R4. Spidey Stark R4. Et Blade R5. Ah là là là. Bon, ça fait quand même un moment que je voulais monter. Que je voulais vraiment le monter. Alors, je voulais juste voir son classement niveau prestige, du coup, où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres, sachant qu'il était R3. Donc voilà, donc il était R3, il se met là. Donc il n'est pas R4, hein, il est R3, faut savoir, c'est juste que je suis en maîtrise suicide. Donc voilà, donc il est R3, il est là, donc il est vraiment juste derrière, sachant que Proxima de mémoire est là. Ouais, donc elle a déjà en compétence 68. Dans le sable est en compétence 60. C'est ça, 60. Donc du coup, ça veut dire qu'il est en compétence 20. Donc quand même qui est, en termes de prestige, qui est quand même très très haut, hein, par rapport aux deux autres. Bah écoutez, c'est un bon tirage. J'avais dit, du nouveau, un bon nouveau ou un bon éveil. C'est un bon éveil, je suis très content. C'est vrai qu'après le Omega Red, il était un sale Omega Red. Oh là 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 là, putain, ils me font des frayeurs, Kabam, là. Pas grave, il sera pour une prochaine fois. Et de toute façon, n'oublie pas le Korg. Toujours et encore Korg. Ou Egon, hein, par défaut, pourquoi pas. Enfin bon, voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour ce soir, pour ce tirage 5 étoiles. Dites-moi ce que vous avez tiré, si vous aussi vous avez vu un super perso comme Spidey Stark. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci à toutes, salut!